Hey, salut tout le monde, c'est Light7, et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur One in a Chamber. donc sur le serveur hivemc.eu ou un truc comme ça. Enfin bref, de toute façon le lien sera dans la description. Alors là il est exactement 8h16 du matin. Tout simplement pour rentrer dans une partie. Tout simplement parce que je préfère faire cette vidéo maintenant. Parce qu'en fait la journée... Même quand tout le monde est censé être au travail ou quoi que ce soit, le serveur est full. Surtout dans les One in a Chamber, dans les Hunger Games, etc. Alors du coup, c'est super dur de rentrer dans une partie. Faut spam cliquer comme ça, c'est juste l'horreur. Je sais pas si vous aurez entendu ma souris, mais c'est juste l'horreur quoi. C'est super dur de rentrer dans une partie quoi. Faut vraiment être les premiers. Genre sur un seul panneau, il y a, je dirais... Il y a 30-40 personnes qui essaient d'y rentrer. Alors, franchement, tout est full. Bon, par contre, il y en a souvent qui restartent, du coup. Alors, du coup, le but de One in a Chamber, comme son nom l'indique, c'est en fait, on a une balle. Et dès qu'on tue quelqu'un, bah, on a une autre balle. Donc là, en fait, c'est pas vraiment une balle. Là, c'est plutôt... Oh, putain. Il est ouf, lui. Là, c'est plutôt... Oh, merde, j'ai mal joué, là. C'est plutôt... Oula. Voilà. Voilà, c'est plutôt une flèche, donc on a un arc, donc dès qu'on tue quelqu'un, soit avec l'épée, soit avec l'arc, ça le tue. Merde, dommage, j'ai vraiment cru que j'allais l'avoir. Hop, t'es mort, toi, t'es mort, et l'autre. Oh, purée, la chance qu'il a eu. Il a plus de vie ou quoi, là? Arrête, moi j'ai plus de vie, là. Il est con, j'avais plus de vie, il vient même pas m'attaquer. Enfin bref, c'est juste parce qu'il a vu que j'avais plein de dégâts. Oui, donc aussi, l'arc fait du... Boum, désolé. L'arc fait du one shot. Et l'épée, bah, ça reste une épée normale, quoi. Donc voilà. C'est franchement un petit jeu très sympa, auquel on devient très vite accro. Donc, si vous voulez pas devenir accro, bah je vous conseille de pas le faire, mais franchement, enfin, non, c'est pas très bien ce que je dis, je veux dire. Je vous conseille pas de pas le faire, je vous conseille juste de... Allez, je vous conseille juste de... Bah d'y jouer, mais de toute façon, soit vous devenez accro, soit vous aimez pas. Mais franchement, quand on commence à bien rentrer dans le jeu, on adore vraiment, c'est vraiment cool. Alors du coup, comme là, il est très très tôt le matin, je vais pas pouvoir faire une vidéo très très longue, mais voilà, c'était juste histoire de vous présenter le... Le One in a Chamber. Hop. Ah, putain. Oups. Voilà. Vous voyez, ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Il va me tuer, c'est sûr. Oh, la chance. La chance, t'es avec moi. Ah, pourquoi est-ce que je peux pas le taper? Hop, on se casse. On essaie de se casser parce que... Ah oui, vous voyez aussi la redstone, là. Oh non. C'est plus que 2% de notre vie. Ah, il est juste derrière moi. Je me casse, je me casse. Enfin, c'est pas 2% de notre vie en fait, il me reste 2 vies quoi. Donc là, je me suis fait tuer par quelqu'un, je sais pas si c'était le mec qui a tué quelqu'un d'autre, et donc du coup, je me suis fait exploser ou alors. Non, je préfère pas utiliser ça parce que je suis vraiment pas sûr de l'avoir. Du coup, je préfère. Oh, purée, dommage. Donc je suis 3ème, mais c'est pas fini. Donc bon, écoutez, on va pas attendre la fin parce que comme j'ai pas beaucoup de temps, on va essayer d'aller vite. Donc désolé si j'ai la voix un petit peu cassée, mais bon c'est normal, c'est parce que c'est le matin comme je vous ai dit. Donc vous voyez là, il y a pas mal de serveurs où il y a 0 sur 12 je crois, enfin je sais plus, non sur, enfin bref on s'en fout. Et donc il y a 0 personne et donc il y en a quelques-uns où il y a 10 personnes et quelques. Et en fait putain lui ça fait plusieurs fois que je le vois je crois. Et en fait Et ben ça c'est seulement parce que c'est le matin, donc du coup tout le monde est à l'école. Là je commence plus tard, alors du coup j'en profite. J'essaie de vous sortir cette vidéo dans pas trop longtemps. Donc voilà, donc, une petite astuce, si jamais vous commencez plus tard puis que vous voulez absolument jouer à ça, sans forcément être obligé de spam cliquer puis de rentrer sur une partie sur 10, et ben je vous conseille de jouer le matin si jamais vous commencez plus tard. Mais bon, loupez pas l'école pour ça, hein. Le collège ou le lycée, je sais pas. Hop. Oh là là, il est ouf, il est ouf. Purée. Là, tout, vous voyez, ça, c'est quelque chose à pas faire. Je voulais quand même tenter. Oula, merde. Des petits messages. Je voulais quand même... Oh, putain. Annuler. Voilà. Je voulais quand même tenter parce que... Voilà, quoi, c'est...
quand même quelque chose à tenter, qu'il y ait autant de monde. Mais quand vous êtes entouré autant de monde, essayez de partir. Sauf si vous voulez faire. Oh putain, lui j'ai beaucoup beaucoup de chance. Ce qui est beaucoup plus d'avantages que moi. Ok, donc on va essayer de se concentrer parce que là je joue vraiment comme une merde. Ouais, donc voilà. Donc je finis juste sur ce que je disais, hein, franchement. Ah putain, je suis vraiment nul. Oula. J'allais tout droit. Ah oui, aussi quand quelqu'un vous vise, essayez d'aller en diagonale. Sinon c'est vraiment très très mauvais pour vous. Ok. Donc la vie se régène, bien sûr. Vous avez pas besoin de bouffe ni rien, la bouffe s'en va pas. Oh putain, non. Donc là vous voyez, je suis avant dernier, enfin bref, c'est quand même de la merde, j'ai fait qu'un seul kill. Et donc, oh mais c'est pas possible. Comment est-ce que je joue là? Donc, vous voyez, à la partie d'avant, j'ai joué plutôt bien. Et des fois en fait, je fais vraiment des super bonnes parties, d'autres fois je fais vraiment des parties de... Merde, putain, celui-là, j'ai vraiment cru que j'allais pas l'avoir. Tac. Mais bon, voilà. Ah, j'ai vu quelqu'un là, non? Si. Boum. Oh là, par contre, celui-là, il était beau. Parce que, enfin, bon, il était beau, il était normal quoi. Ah merde, j'ai pas vu qu'il était retourné vers moi. Hop. Non, franchement, c'est vraiment un petit jeu bien bien sympa. Donc bien sûr, l'IP sera dans la description si jamais j'oublie, mais bon, ce qui m'étonnerait très très fortement, comme la vidéo sera consacrée que là-dessus. Si jamais j'oublie de vous filer l'IP, hein, bien sûr, dites-le moi dans la description, je vous le filerai très très vite. Hop, lui il est mort. Et lui, il est pas mort parce qu'il m'a tué avant. Donc voilà, donc là on a encore perdu, on a fait que 4 kills, ok, c'est mort. On sera jamais dans les premiers, si sur... Ouais, donc c'est sur 16, c'est ça. Ah, 14, 15, 16. Voilà, donc là je suis le 16e. Aussi, il faut faire gaffe. Oula, j'ai cru que justement, c'est ce qui m'est arrivé. Quand vous êtes dans les derniers, il y a les VIP qui peuvent rentrer. Donc, du coup, ça vous vire. Ça, c'est un petit truc dommage, mais c'est normal, quoi. Ils ont payé, donc ils sont prioritaires. C'est logique. Oh non, ça j'aime pas ça, ça j'aime pas ça. Ça j'aime pas ça, ça j'aime pas ça, ça j'aime pas ça. Hop, t'es mort. Et toi, t'es mort. Oh là là, c'était beau, c'était beau, c'était beau. Oh! Oh! Quadruple. Ça, c'était très très beau, je trouve. Ah, du coup, je finis premier là en ayant fait. Oh non! Ça, c'est chaud, ça, quand même. Il est con, lui, si jamais il m'a pas l'arc. Voilà, vous voyez, donc ça, c'est un truc à. Oula! La chance que j'ai eue. Il s'est vraiment pas visé. Oula là là là! Moi, je me casse, hein. Donc là, je vais me faire tuer par derrière. Voilà, c'était sûr. Seulement, j'avais pas prévu le coup, donc je préférais essayer de faire le kill. Mais j'ai pas réussi à le faire. Donc ouais, j'ai en fait on a 6 vies. Donc là il m'en reste 4, donc je suis mort 2 fois. Donc franchement c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Et toi tu vas mourir normalement. J'ai eu de la chance parce qu'il jouait bien. Enfin il était surtout très très dans le sol. Et donc c'est ça que je disais. Oh putain. Quand il y a quelqu'un qui vous tire à l'arc, essayez d'aller en diagonale. Je vous l'avais déjà dit, mais bon, je le répète quand même parce que c'est quelque chose de très très important. Là-bas. Non, on va d'abord essayer d'y aller à l'épée. Oh non, putain. Je sais pas pourquoi, j'ai pas voulu en fait la lâcher, mais finalement si. Je l'ai lâché. Donc lui, il est mort, voilà. Franchement, là, au lieu d'essayer de s'enfuir comme ça, quand il sait que je le bloque dans un coin, il aurait quand même dû essayer de me taper. Ça m'aurait bien endommagé. Et il a vraiment. Oh putain, il a vraiment très très mal joué à ce niveau-là. Bon, par contre, au niveau là, juste du kill avant, il a très très bien joué. Oh là, lui, il lag. Ah bah voilà. Quand des gens lag comme ça, faut éviter de rester en train de viser comme ça parce que sinon, bah voilà, quoi, c'est la mort. Donc là, je suis premier de 9 kills, l'autre est à 8 et le troisième est à 7. Donc je vais pas. Donc là il y a Race Minimap qui est un petit peu chiant, mais bon c'est pas grave. Je vais attendre. Il reste 46 secondes. Mais si jamais il arrive pas à monter, ça serait cool. Comme ça voudrait dire que je finirai premier. Et comme ça ferait une petite victoire dans la journée, c'est pas mal. Donc là on est déjà à deuxième ou troisième partie? Non, deuxième partie. Il y a une autre map, donc. Ah non en fait non, troisième. Donc voilà, donc là je crois que je vous ai montré toutes les maps. Donc je crois qu'il n'y en a que 3. À moins qu'il y en ait une autre. Il y a la map qui ressemble un petit peu à Portal. Celle-ci. Celle où c'est dans le canyon là. Et enfin c'est plutôt un truc bonbon, mais comme c'est du truc de canyon, j'aime bien dire ça.
Je crois que c'est tout. En fait, c'est un petit peu map automne, vous voyez, comme il y a des feuilles oranges, des feuilles jaunes, etc. Alors, donc là, un fight 4, enfin 1 vs 1, 1 vs 1, 1 vs 1. Bon, bah, il y en a un qui a quitté. Voilà, donc je n'étais pas premier, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, on aura pu voir le petit match qui s'est pas fini. Personne. C'est bizarre là quand même, parce que là, je suis à 60 FPS. Et d'habitude, je suis pas autant d'FPS. Limite, même quand je filme, je suis pas autant d'FPS. Ah! Oh! Je suis rentré de justesse. Donc, souvent, à cette heure-là, il n'y a pas beaucoup de VIP. Hein, parce que de toute façon, les VIP, ils n'ont pas besoin de virer les gens comme il y a plein de parties libres. Ceux qui ont du bon cœur, je pense pas qu'ils font les. Ah bah si. Ils font les salauds. Au moment où je dis ça, comme par hasard. Alors. Où va-t-on aller? Celle-ci, il y en a combien? 5? Celle-ci, il y en a 6. Bah écoutez, je pense qu'on est dans la 6. On regarde quand même vite fait. Ouais, bah la 6, ça me paraît bien. Elle est où? Ah non, elle a viré. Ah non, 8. Donc voilà, on va rentrer dans celle-ci. Et on va attendre un peu. Donc voilà, donc là la vidéo va bientôt toucher à sa fin. Ça va être la dernière partie, je vous l'annonce. Simplement parce que là, il est l'heure que je finisse de me préparer, que j'ai le temps de faire vite fait le montage pour laisser tourner mon ordi pendant toute la journée. Comme ça, ce soir, quand je rentre, le montage est fait. J'ai juste à faire l'upload ce week-end. Ouais, donc ça ira. Ça passera, ça passera. Donc là, cette fois-ci, pour cette partie, on va essayer de faire des très beaux kills. Enfin, des très beaux kills, des kills, quoi. Et donc voilà, on n'est pas beaucoup, comme vous pouvez le voir. Ah, Poetendo, là. Il est rose, donc je sais pas trop ce que ça signifie. Il y en a des jaunes, des roses, des verts. Je comprends pas trop. Si jamais vous savez, parce que vous connaissez le serveur, dites-moi. Hein. Je connais ce serveur, mais je suis pas un. Je joue souvent, mais seulement à ça. Donc, du coup, je me suis pas vraiment renseigné sur les trucs VIP et tout. Faudrait peut-être d'ailleurs que je vois pour être VIP, je sais pas. Ça dépend si je ferai beaucoup de vidéos, parce que quand je fais pas beaucoup de vidéos, ça me sert à rien. Mais bon, c'est pratique pour pouvoir entrer directement dans les parties. Vous voyez, moi je me cache là. Boum. Il avait pas intérêt à faire ça. Oh, lui. Voilà, ça c'est quelque chose à bien faire. Oula. Là par contre, là je peux vraiment me casser, comme j'ai plus que 2 de vie. Vous voyez là, vous y allez en diagonale. Hop, bonjour. Et donc là, on fonce, on fonce, on fonce. Donc là, vous voyez, on régène un tout petit peu la vie. Oh non, j'ai plus de. Oh non! Merde! Je croyais que j'avais une flèche, quel con. Du coup, je voulais y aller. Oh, ça, c'était. Ça, c'est vraiment quelque chose à pas faire. Quand vous êtes pas sûr, n'y allez surtout pas, quoi. Bon, lui, c'est bon, il a fait la même chose, donc du coup, ça va. Oula! Qu'est-ce qu'il fait? Newf! Pourquoi est-ce que j'ai. Je sais pas si vous avez vu, j'ai perdu. Oh purée! J'ai perdu énormément de cœur. À la fois. J'ai vraiment cru que j'allais pas l'avoir. Oh là là, ça c'est quelque chose de très très dur. Quand la personne est déjà en train de bander son arc, surtout dégager, mais vite dit hein. Ok, ça c'est fait. Ça c'est fait. Chante la musique des poulets. Non! C'est jamais si je pouvais tuer quelqu'un. Ah, c'est ça la musique des poulets. Lol. Oula. Il est ouf lui. Trickshot 360 degrés. Oh là. Genre. Boum. Oh non, c'est lui qui l'a eu. Genre. Mais utilise ton arc, boulet. Oh là, je l'ai eu. Je suis trop content. Je suis trop content. Donc le mec, vous voyez, il l'a tué. Et il n'a pas utilisé sa flèche pour me tuer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à pas faire. Quand vous tuez, quand vous êtes sur un combat de 3. Que vous tuez quelqu'un, oula, ça c'est très très dangereux. Quand vous tuez et puis que vous tuez quelqu'un, oh dommage, et ben surtout, dès que vous le tuez, vous utilisez très très vite votre flèche sur l'autre, même si vous êtes quasiment sûr de la louper malheureusement, tirez là quand même s'il est en train de vous spammer avec l'épée, c'est le mieux à faire, hein. Franchement c'est un conseil. Bon, si jamais vous ne voulez pas hop, en prendre compte, vous faites ce que vous voulez, hein. Je vais pas vous obliger. C'est voilà quoi. Mais c'est juste vraiment un conseil très très utile. C'est moi qui vous le dis. Ok, donc vous voyez, lui, il a bien fait. Vous voyez, même s'il s'est loupé, il a quand même utilisé l'épée. Et ça, c'est l'arc. Et ça, c'est très très
bien de sa part. Par contre, il s'est pas très bien visé, mais ça, c'est au fur et à mesure. Hop, oula, j'ai cru qu'il avait touché personne. Tué personne plutôt. Oh, même si j'ai semblé, enfin même si j'ai cru avoir fait pas mal de kills, je suis que quatrième. Donc bah écoutez, quatrième, on n'est pas sur le podium, on se casse. Et voilà. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle aura duré 15 minutes tout pile, je crois. Enfin avec l'intro, etc. Pas 15 minutes, mais voilà. En tout cas, bah si jamais vous revoulez quelques vidéos de ce serveur, n'hésitez pas surtout à me demander, hein, je le ferai avec grand plaisir. Je ferai aussi, je sais pas si vous connaissez le serveur de. Je pourrais peut-être lui faire de la pub, je sais pas si les Français le connaissent, je sais pas s'il y en a beaucoup qui le connaissent. Le serveur de Sparkless. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus avec un pote. Pour ceux qui connaissent Golden 630. C'est super chiant là, la fuite, voilà. Donc en fait, c'est un serveur où il n'y a pas beaucoup de personnes le matin. Donc. Quand vous voulez jouer le matin, franchement, quand je vous conseille d'aller sur ce serveur. Le rang de l'après-midi, il y a 200 personnes environ, donc c'est plutôt bien. Il y a différents. En fait, c'est que des Hunger Games avec coffre. Mais ça, pour l'instant, c'est que le début. Là, il est en bêta, il est en ouverture. Par contre, comme il est hébergé aux États-Unis, si jamais vous êtes au Canada, ça va. Si jamais vous êtes en France, faut quand même avoir. Enfin, faut être branché en filaire, quoi. Si vous n'êtes pas branché en filaire mais que vous êtes proche de la connexion, je pense que ça peut aussi passer. Moi perso, quand j'étais pas branché en filaire, ça passait pas du tout. Mais aussi, j'étais quand même super loin de la connexion. Donc voilà. En tout cas, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite vidéo bien sympathique, je trouve. Bah moi, je vous dis à la prochaine et bah, peut-être à plus tard pour une prochaine. Enfin, sûrement. Enfin, c'est sûr quoi. À plus tard pour une prochaine vidéo et peut-être, c'est ça que je voulais dire, et peut-être sur le serveur de Capitaine Sparkless. Je verrai si je vous mets le lien dans la. Enfin, l'IP dans la description. Ah oui, attendez, désolé. Avant de quitter, pour aller sur son serveur, il faut se créer un compte sur son site. Donc je verrai si jamais je retrouve le lien du site, etc. Sinon, au pire, tout sera dans la vidéo que je ferai sur son serveur. Donc voilà. Allez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.